à la mémoire de Jackie. Vers le milieu du 21e siècle, les grandes cités disparurent. Des êtres cybernétiquement modifiés furent créés pour reprendre le contrôle et réprimer la population. Ils furent appelés les Oméga. Quelques années après leur apparition, les Oméga commencèrent à changer leur programmation. Cette période fut connue sous le nom de l'époque des Mantes. De nouvelles entités cybernétiques furent élaborées pour mettre fin à l'expérience Oméga, les prototypes. Leur mission, éliminer les Oméga. Stillman bat les cartes. Je répète, bat les cartes. Battre les cartes. Définition, mélanger les cartes. Fais la donne. Vas-y, fais la donne. Faire la donne, définition, distribuer les cartes aux joueurs. Localisation quadrillage 26, 3, secteur 43, 2. Joker éliminé. Joker éliminé. Redistribue les cartes. Redistribue-les. Bébé. Personne ne doit savoir qui elle est. Quand l'heure de Chandra viendra, le médaillon te le fera savoir. Va maintenant.
ce qui me reste. Fréquence Oméga détectée, mode recherche. Fréquence Oméga détruite, source non organique. Fréquence Oméga non détectée, mode recherche. Fréquence Oméga détectée, mode recherche. Recherche de fréquence Oméga. Fréquence Oméga détectée, mode recherche. Danger, 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 danger. Cible, secteur 26, 32, quadrillage, 43, 2. Oméga détectée, Zorn Kerkorian, matricule 263A, conception 2033. Objectif à proximité. Fréquence Oméga détectée. Mode recherche. Fréquence Oméga détectée. Zorn Kerkorian, matricule 263A, conception 2033. Nous sommes des frères, mon ami. Regarde dans ton âme et entends la voix de l'autre. Tu sais qui il est. Frère, autre, mot inconnu. L'autre, tu sais? Tu te souviens de lui, j'en suis sûr. Il fait partie de toi. Il est en toi. Souviens-toi de l'autre. 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 Fréquence Oméga détruite, source organique, Zorn Kerkorian, exécution 2057. Programme des opérations achevé. Fermeture du logiciel, fermeture du logiciel. Programme des opérations achevé. Fermeture du logiciel. Fermeture du logiciel.
Opération achevée. Fermeture du système. Fermeture du système imminente. Fermeture complète et définitive. Chandra, tu ne te souviendras pas de moi, mais quand ton heure viendra, les protecteurs seront là pour toi. Vingt ans plus tard. Allez, on y va, Sébastien. Tu te dépêches? Vous êtes en retard, Paul. Il y a encore une certaine réticence au sujet de votre départ. Mais la garde gouvernementale a fini par donner son accord. J'ai passé 6 ans de ma vie sur ce projet. Je pourrais encore en gaspiller de nombreuses à chercher ce qui a été conçu il y a plus de 30 ans. Le prototype a été très mal exploité, mais créé pour une noble cause. Cela dit, j'en ai discuté avec le docteur Phelps et il pense qu'on ne doit pas vous retenir. Docteur Zelazny? Oui. Bonne chance. Cette fois, c'est mon programme. Tiens, 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 de la visite. Où est Sébastien? Et qu'est-ce que j'en sais? Et pourquoi? Ce sale môme m'a encore joué mon pognon au dé. Ça a rapporté? S'il utilise sa puce, ce crétin, il laissera sa peau. Si je l'attrape, c'est moi qui lui ferai la peau. Il ne s'est pas servi de sa puce. Il me l'a confiée pour que je la répare. Ce gosse est verni. Ce truc a intercepté une balle l'autre jour. Ça te fait marrer? Aide-moi plutôt à choper cette espèce de merde. Écoute,
Je me sens responsable de ce gosse autant que toi. Je répare son truc, mais je ne veux pas me sentir coupable. Il aurait trouvé un moyen de s'en servir avec ou sans mon aide, de toute façon. Donc, on pourrait peut-être parler d'autre chose. Ah oui, de quoi? Est-ce que tu as trouvé un endroit où habiter? Tu vas encore me prendre la tête? Mais enfin, j'ai beaucoup trop de place pour moi tout seul ici. T'as jamais entendu cette expression par hasard, pisser dans un violon? Oh, ce que je te propose, c'est un petit coin où dormir. Ne rêve pas, hein, c'est pas une demande en mariage. Au fait, j'ai une surprise pour toi. Regarde. Alors, hein? Merci. Je vais chercher Sébastien. Tu veux dîner avec moi, chérie? Asservissement. Je te promets obéissance, abuse de moi. Sadomasochisme. J'ai toujours le béguin pour les hommes chevelus. Nécrophilie, option indisponible. Interlude romantique. Baise-moi, Hawkins, chérie. La cité peut être très dangereuse pour une femme non accompagnée. Ah, ça va, j'assume. Je me suis dit que je passerais inaperçue en voyageant seule. Vous êtes Torrance ? Tant de courage est rare pour une femme. Comme vous n'êtes pas morte, j'imagine que vous aviez raison. Docteur Alex Zelazny. Le labo ? Vous avez le code d'entrée ? Oui. Thank you.
Un prototype? C'est l'original. La chambre de régénération? Oui. Il n'y a pas de panneau d'accès? Cybernétique. Niveau 2. Implantation des organes de contrôle cybernétique. Chargement de A001. Programme des opérations. Niveau 3. Chargement du programme A00. Je veux voir le troisième niveau du programme. J'ai dit le troisième niveau, s'il vous plaît. Normalement, le programme des opérations répondra à votre question. J'en ai une pour vous, justement. Oui, docteur. Il semblerait qu'ils aient disparu sans la moindre explication. Qui? Le docteur Roberts et son équipe. Ça, c'est une question qu'il faut poser au docteur Roberts. On ne l'a jamais revu durant ces 30 dernières années. Vous m'en voyez désolé. J'aurais besoin d'un assistant. Je suis votre homme, docteur Zelazny. Votre chambre est au fond du couloir. Je vous conseille de rester dans le bâtiment. Il n'est pas prudent de s'aventurer dehors. C'est gentil de vous inquiéter pour moi. J'ai appris à me défendre, je peux me débrouiller. Les vioques. Le marchand de sable n'est pas encore passé. Oh non. Tu as du blé? Faut aider la jeunesse, mon vieux. Hey, Chip. Défense Oméga. Les opérateurs Oméga ont créé par manipulation génétique des clones appelés protecteurs. Ces entités sont dotées de capacités physiques bioniques et d'une technique sensorielle de télépathie qui peuvent parasiter les prototypes 01 et 02. Vous êtes intoxiqué. Votre seul but dans la vie, votre seul objectif, c'est de trouver l'argent nécessaire, et il en faut beaucoup, pour vous procurer de la drogue. Si vous ne parvenez pas à en trouver, vous êtes en état de manque.
Vous vous sentez déprimé, fatigué, et chaque parcelle de votre cœur vous fait souffrir. La seule façon d'y remédier, vous droguez encore et encore et encore. Vous absorbez toutes sortes de produits, seuls ou en mélange, et en grande quantité. Par exemple, les hypnotiques, comme vous les appelez, tels que le Seconal ou Reds, le Nébutol ou Yellose, le Dubonol et le Phénobarbital. Ou encore des stimulants. Ya, t'es mort! Fiche le camp d'ici, tu es le démon incarné. Si tu remets les pieds dans mon hôtel, mon épée devra exorciser ton âme démoniaque. Je vais te purifier. Les sales gosses dans ton genre. C'est la mort. La mort. C'est pas très malin ce que tu fais. Si tu continues à prendre la tête à Delaney, il finira par te tuer. T'as faim, Hawk? C'est le genre de type à te tirer dans le dos. Une vraie plaie, celui-là. T'as réparé mon microprocesseur? Ouais, j'ai réussi. Mais je ne crois pas que je vais te le donner. Pourquoi ça? Parce que s'ils découvrent que tu t'en sers, ils vont te faire bouffer tes roupettes. Mais il n'y a pas que ça. Ta sœur ne veut pas que je te le rende. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, au juste? Une chance qu'elle s'intéresse à toi. Tu ne devrais pas lui faire de sales coups. Sois pas vache, donne-moi mon microprocesseur. Non, bonhomme, n'insiste pas. J'ai promis à ta frangine. Et c'est pas grave, elle est pas obligée de le savoir. Sois raisonnable. J'ai pas l'intention de te le rendre. Ah, t'es fou, et ça fait super mal. Oh. Franchement, mec, t'as assuré en ajoutant ce petit turbo. Hawk, t'es un génie. Je te préviens, si on t'attrape avec ça, tu es perdu. Compris? Ouais. Brave garçon. Vous vous en mordrez les doigts. Non, la drogue, même douce, n'est pas une solution à vos problèmes. Vous devez résister, combattre vos envies. Il faut savoir dire non à la tentation. C'est une question de volonté. Tout le monde peut réussir, il suffit de le vouloir. Et pour le vouloir, il faut être... Démon, je vais exorciser le démon qui est en toi. Conscience des dégâts causés à votre organisme. Delaney, posez ce flingue, c'est un gosse. C'est mon devoir de prêtre de chasser l'esprit malfaisant qui hante l'âme de ce garçon. Il est possédé par le diable en personne. Ce n'est qu'un gamin, il adore plaisanter. Vous n'allez pas tirer sur un enfant. Te frotte pas plus fort que toi. Ah! Ah! Oh, mes yeux! Aider le gouvernement à corriger les esprits simples qui tombent dans le piège de la tentation. Ah! Oh! Je les nous devons réagir. Joe, je ne veux pas que tu dormes à l'accueil, ça fait fuir la clientèle. Alors, tu vas bouger, ne m'oblige pas à te mettre à la porte avec mon pied dans les fesses. Il est mort. Mort? Ouais. Mais comment ça, il est mort? Il n'a pas payé son loyer. C'est moi le meilleur. Bon sang, ce n'est pas la portée de tout le monde. Non, laisse-moi encore une fois. Ah, mais j'en ai marre. Concentre-toi. T'es d'accord? Ouais, non. J'arrête. Oh. Ah. Ouf. Ouh. 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 Eh ben, dis donc, ma poule. Et n'oublie pas que tu leur as promis un tour gratuit. Je leur ferai que dalle tant que j'aurai pas mon blé. Et je les toucherai pas s'ils mettent pas de capote. Eh ben, t'en as pas? Non. Eh ben, prends la mienne. Thank you.
On veut jouer les hommes, tenez-le. Fuyez. Et finissez-le. J'ai sommeil, Hook. Modeleur atmosphérique. Accès niveau 2. A320.8, clé spéciale demandée. Entrée code d'accès 09870. Vous êtes au niveau 2 du logiciel prototype. Diagnostic. Ouverture compartiment séquence activée. Activée. Thank you.
Qu'est-ce que tu fais? Alors tu ne sens absolument rien du tout. De quoi est-ce que tu parles? De tes jambes. Tu n'as plus de sensations dans les jambes? Non. Je ne sens absolument rien. Ça va jusqu'où? Il n'y a que les jambes. Je peux sentir tout le reste de mon corps. Tu sais de quoi je parle. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Quand on rêve, dans la majorité des cas, on ne se souvient pas si c'est en noir et blanc ou en couleur. Ça me fait la même chose avec toi. C'est-à-dire, quand je rêve de toi, je ne peux jamais me souvenir si tu es dans une chaise ou si tu marches. Je crois que tu marches dans mes rêves. Processus de régénération activé. Sujet insufflé. Rejet cellulaire. Danger, 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 danger. Insuffisance physiologique. Physiologiquement éteint, sujet décédé, sujet décédé, sujet décédé, sujet décédé, sujet décédé, sujet décédé, sujet décédé. Los Angeles, Benson Williams, Eric Carter, Cameron James, Duncan Deryl décédé, Castle Hawkins vivant. Hôtel Saint-Viaton, In, chambre 138, secteur 28, quadrillage 3, vieux Los Angeles. Qu'en penses-tu? Tu aurais envie de marcher à nouveau? Non, docteur. J'adore rester assis et pisser dans mon pantalon. J'ai dû commettre une erreur. Je n'ai pas fait le bon choix. Pourquoi vous m'offrez cette chance? Ça n'est pas une chance. C'est un processus. Et ce processus a fait ses preuves. Avec ce traitement, les cellules du corps et de l'esprit sont modifiées. Vous m'autorisez à fumer, Hawkins? Alors, vous voulez que j'y réfléchisse? Non. Voici l'adresse. Viens demain matin, à 10h30. Si tu n'es pas là, je prendrai quelqu'un d'autre. Quand je sortirai modifié, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je parle de régénération du corps. Ton enveloppe cybernétique te laissera vivre et respirer. Mais qu'est-ce que je deviens? Que devient mon cerveau? Mes souvenirs? On les enregistre sur une bande et on vous les réimplante.
Ah bon. Mais ce que j'ai oublié, ce qu'on ne pourra pas enregistrer, ce dont mon subconscient, je les aurai perdus à jamais. Si tu ne te souviens pas de tous, c'est qu'ils n'étaient pas si importants que ça. Fiche le camp, gosse. Sale enfoiré! Et me traite pas d'enfoiré ou je te casse la tête? Moi, c'est mon jour de chance. Tu me dois encore 50 balles. Sale enfoiré! T'as une puce, tu triches, ça se voit! Je prends sa place. Il se prend pour un grand. Le gamin. Joue avec lui, Cosmer. J'ai jamais tué de gamin. Les gardes, ça te botte. Hey, moi aussi. Un peu de réconfort. Deux pour le prix d'une. Pédale. Vas-y, monte-les-moi. La chance a tourné, j'ai l'impression. Tu as eu de la chance, mais ça s'arrête là. Tu vas mourir. Tu es déjà mort. Qu'est-ce que tu crois, bonhomme? Je peux pas te laisser gagner à cause de ma réputation. J'ai un nom, moi, bonhomme. Hein? Non, je rêve. Deux à cœur, cinq à trèfle, je te laisse tout. Oh, la chance t'abandonne, petite fiotte. Ta dernière heure est arrivée. Une cigarette, oh bon. Oh. Tire des cartes. Cœur, 6 contre 1, 2 de carreau, ouais, 3 de carreau. C'est fait. 3 de carreau. Tu joues, abruti? Oh, le 3 de carreau, elle est bonne. Le gosse, tu te crois malin, dit. Tu crois que je n'avais pas remarqué que tu avais une puce? J'ai jamais eu de microprocesseur, espèce de ce sac à foutre. Je prends la relève. Je n'ai pas de processeur. Maintenant, assieds-toi. Je veux pas du gosse à proximité. Cœur, 4 de cœur et 9 de trèfle. Allez, dépêche-toi un peu. Ah, d'accord. Tire une carte. Le 3 de cœur sort.
espèce de sale petite pisseuse. Il t'a refilé le tuyau. Mais j'avais... Ce gars t'aurait tué, Sébastien. Et si j'étais mort, tu poserais une rose blanche sur ma poitrine? Est-ce que tu m'embrasserais avant de fermer le cercueil? La prochaine fois, il te trompe pas. Je suis trop malin pour ça. De plus, le mutant est notre grand frère protecteur. Je t'interdis de t'en approcher, c'est compris? Je marcherai pas sur tes plates-bandes. Ce gars, c'est pas mon type. Moi, je ne plaisante pas. Ouais, te fâche pas, j'ai pigé. C'est bon. La prochaine fois que tu me voles du pognon, mon petit bonhomme, c'est moi qui te tue. C'est Sébastien. Saint-Sébastien pour toi. Les vaches. Est-ce que ça va? Et il y a quelqu'un? Tu avais raison. J'ai toujours raison. Mais de quoi tu parles? Des rêves. Des rêves? Mais de quoi tu parles? Dans mes rêves, je ne sais pas si je marche ou si je suis dans un fauteuil roulant. Mais de quoi est-ce que tu parles? Si je marchais, les choses seraient différentes. Avoue-le. Ouais, tu bosserais au gouvernement et non. On se connaît... Je voulais parler de notre relation. Tu choisis mal ton moment pour parler de ça. Pourquoi? Je ne me sens pas d'humeur à en discuter. Est-ce que tu m'aimes, Chandra? Je n'ai pas envie de parler de ça, laisse-moi tranquille. Je te l'ai déjà dit, il n'y aura jamais rien entre nous deux. Mais si je pouvais marcher? Et c'est pas vrai? Il a fallu que tu le fasses. Il a fallu que tu changes les choses. Attends, j'ai quelque chose à te donner. Non, j'en veux pas. Prends-le. J'en veux pas. Ne discute pas. Prends-le. Quelle chieuse. Thank you.
Entrée. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Tu veux marcher, marcher, marcher. Tu veux marcher, marcher, marcher. Un repos, un repos. Baise-moi. Le Père Tout-Puissant, Tout-Puissant. Tu t'en souviens pas, ce qui n'était pas si important que ça. C'est bizarre. Là-dessus, ça dit qu'il avait encore de la famille. Alors, c'était qui, sa famille, à ton avis? Nous, j'imagine. Pourquoi il est parti? Je sais pas.
chez moi. Cool, fillette. Ça ne marche pas, tigresse. C'est notre jour de chance, les gars. Cette blondasse n'a pas respecté notre marché. On va lui faire payer sa dette maintenant. Va te faire foutre. Sale morveux. Fous ton camp d'ici. On se retrouvera. Mémoire activée. Recherche dans la mémoire. Sujet, Chandra Kerkorian. Recherche dans la mémoire. Laisse-moi, Hawkins. Baise-moi, Hawkins. Mais qu'est-ce que c'est? Système prototype déréglé. Système surchargé. Fermeture du système. Retour au programme. Activé. Retour engagé. Vous pouvez le faire asseoir. Hawkins, tu nous entends? Oui. Oui. J'entends ce qui se passe. Est-ce que tu sais où tu es? Oui. Il va falloir du temps à ton corps pour s'acclimater à l'enveloppe cybernétique. Je me sens faible, docteur Zelazny. Je sais, tu deviendras très fort, mais il te faudra de la patience. Te souviens-tu de ton identité? Oui. Je m'appelle Hawkins Cosello. Où es-tu allé? J'étais à la recherche d'une femme. Quelle femme? La femme de mon souvenir. Et l'as-tu retrouvée? Oui, je l'ai retrouvée. Est-ce la bonne? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et on respectait les... comme... Comme... Commandement depuis une époque très... Qu'est-ce que vous faites ici? Je ne sais pas. Comment êtes-vous entré? Je suis déjà venu ici. Réponse erronée. Je connaissais Hawkins. Est-ce que ça veut dire qu'il est mort? Non. Hawkins est vivant. Oui, et où il est? Il est ici. Je n'aime pas les farces. Dites-moi où il est! Devant toi. Je suis Hawkins. J'ai été régénéré. C'était une expérience. Je voulais marcher. Je voulais être fort à nouveau. Je t'aime, Chandra. C'est pour ça que tu es revenu? Je me sens seul.
que tu sens sous cette carapace? Tu la sens, maman? Oui, je te sens. Est-ce que tu me sens, Kins? Tu sens ma peau? Ne me tuez pas! Non! Chandra. 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 C'est moi. Qui êtes-vous? Je suis ton père, Chandra. Je n'ai pas de père. Comment pourrais-tu être mon père? C'est moi qui ai conçu ce programme pour te rencontrer à un âge où tu puisses comprendre. Mais je ne comprends rien! Tu as vu le jour à l'époque des Mantes. Elle a pris fin à ma mort. Tu es la dernière Oméga. Oméga? Nous avons été sélectionnés pour être implantés. Ils voulaient faire de nous des professeurs, des chamans. Partout notre réputation nous précédait. Ensuite, on nous ramena dans les cités pour devenir des chefs. Quelle cité? Il n'en reste aucune! Nous t'avons implanté à la naissance. Et j'espérais secrètement que tu deviendrais notre chef un jour. Le chef? Mais qui sont les deux êtres qui m'ont amené ici? Ce sont les protecteurs. Ils ont été conçus pour te défendre jusqu'à la mort. Bon, si tu es mon père, alors qui est ma mère? Tu es une Oméga maintenant. Ça te demandera un peu de temps. Mais très vite, tu sentiras les pouvoirs qui dormaient au fond de toi. Parle-moi de ma mère. Il est né, le divin enfant. Jouer au bois, résonner musette. Il est né, le divin enfant.
enfant, chantons tout son avènement. Éloignez-vous de moi. Protège-la. Elle est tout ce que j'ai. Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez, musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Entrée, clé de sécurité, Dr. T. Roberts, LHOOQS. Accès niveau 3, refusé. Accès niveau 3, annulé. Code LHOOQS, accepté. Attention, entrée dans niveau 3, OO Alpha 9. Clé de sécurité, personnel O92054, T. Roberts, pour les yeux seulement. Objectif principal du niveau 3, enveloppe opérationnelle. Le prototype des séries 229A ont été programmés pour chercher et éliminer les entités implantées Omega. Après saisie et retrait des implants Omega, le prototype 229A, doté d'un dispositif de sécurité, s'autodétruira. Vous pensez, docteur, que vous deviez vous limiter à des examens médicaux sur le prototype ? Vous étiez déjà au courant. À votre avis, qu'était-il devenu, ce programme ? Vous croyez qu'ils disparaissent comme des dinosaures ? Alors ça a été un échec complet. Je parie que le problème, c'était l'interface. Vous vous foutez de moi, Torrance ? Pas du tout. Le programme était un échec total. C'est ça, et je devrais vous croire, hein ? Les Oméga se sont très bien adaptés à leurs implants. Mais ils étaient parvenus à un stade où ils dépassaient leur programme et, bien entendu, n'étaient plus contrôlables. Oui, et le gouvernement a créé prototype pour assassiner les Omega.
assassinés, docteur. Les prototypes n'ont pas été inventés pour devenir des assassins. Ils représentaient le progrès pour la science cybernétique. Régénération complète, 100%, d'entité cybernétique parfaitement intégrée. C'était une tuerie organisée, ce programme. C'était la conclusion logique d'une expérience sur laquelle nous n'avions plus aucun contrôle, docteur. C'était il y a plus de 20 ans. En effet, c'est exact. Une toute autre époque. Une époque qui ne vous est pas familière, qu'il vous est impossible de juger. Vous avez peut-être raison, Torrance. Alors pourquoi le gouvernement me permettrait-il de créer un nouveau prototype ? Vous devriez faire de la recherche médicale, docteur. Le fait d'avoir ouvert le niveau 3 de ce programme nous permettra d'y mettre fin, comme cela avait toujours été prévu. La conclusion de quel programme ? De quoi est-ce que vous parlez ? Oméga, docteur. Il en existe un dernier, une dernière, devrais-je dire, greffée à la naissance. Restée complètement inactive jusqu'à il y a quelque temps. Non, ce n'est pas simple. Une erreur comme celle qui a été commise sur les Oméga serait un désastre. J'ai une chance de sortir d'ici vivante ? Quel mélodrame. Vous n'abuseriez pas des livres d'espionnage ? Ça me fait penser aux histoires de résistants au siècle dernier, pendant la Seconde Guerre mondiale. Des histoires pour tous. Excepté pour les compteurs. Docteur T. Roberts. Docteur Torrance Roberts. C'est vous, n'est-ce pas ? En effet, docteur. Où allez-vous ? Chez moi. Je ne vois pas où je pourrais aller. Mon travail est terminé ici. Bonne nuit, docteur. Oui, bien sûr. Bonne nuit. Je t'ai demandé ce que tu faisais. À ton avis, qu'est-ce que je fais, imbécile ? On dirait que tu pars ? Alors c'est vrai ? Oui, c'est vrai, je m'en vais. C'est à cause de moi ? Non. Je dois partir avec des gens quelque temps. Pourquoi ? Oh, pourquoi ? Lâche-moi ! Je ne peux pas rester ici, c'est clair ? On ne peut plus prétendre être frère et sœur. Je veux être seule. Ne me suis pas. J'en ai ras-le-bol de cette femelle. Niveau 3, directive AO1OA, prototype X29A, Dr. Torrance Roberts, 2047. La présence d'Oméga produisant des organismes biologiques est incompatible avec le programme des opérations du prototype. Ils doivent être éliminés pour poursuivre l'opération prototype.
Les logiciels A01 ou le A0029 ne peuvent pas fonctionner si tu n'as pas d'enveloppe cybernétique. Est-ce que je peux enlever mon armure? Puis-je redevenir comme avant? Non, ce serait la mort certaine. Pour vivre, je dois exécuter le dernier Oméga? Oui. Pourquoi ai-je été créé? Je t'ai régénéré parce que je veux poursuivre le travail sur les Omégas. Je ne me sens plus du tout le même. C'est normal, laisse faire le temps. Ne t'inquiète pas, tu vas t'y habituer petit à petit. Et un jour, sûrement, tu ne seras même plus contraint à la porter. Ce ne sera jamais le même, Hawkins. Si je mourais, en construiriez-vous un autre? Oui. Je ferai ton frère jumeau. Il y a 30 ans, le gouvernement nous a interdit de continuer l'expérience. Et il a mis les scellés au labo. Les précieux dossiers du docteur Zelazny m'ont permis d'aller jusqu'au bout de mes recherches. Oui, je comprends. Je me sens seul. On se sent tous très seuls. Tu as besoin de moi, Hawkins! Ah! Rediffusion, sujet, Dr. Terrence Roberts, éliminé. Diffusion du temps réel. Recherche fréquence Oméga. Fréquence Oméga détectée. Mode de recherche.
Fermeture du système. Cible à proximité. Fréquence oméga détectée. Engagez la lutte. Fréquence oméga détectée. Localisation inconnue. Localisation inconnue. Fréquence oméga détectée. Sujet Chandra Kakorian. Chargement biologique. Ne le tue pas. Non. Non. Fréquence oméga détectée, sujet Chandra Kakorian, éliminez la cible. Visualisation. Chandra.
Hawkins, Hawkins, réagis, c'est moi. Regarde, c'est Chandra. Hawkins, je t'en prie, est-ce que tu sens ma main? C'est moi. Je t'en prie. Tiens. Recherche dans mémoire, sujet. Si tu veux me tuer, fais-le vite. Recherche dans mémoire, sujet, Sébastien. Hawkins là-dedans. C'est pas vrai. Environnement, danger, 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 danger. Purge du système. État de l'environnement critique. Ugh.